Yo tout le monde, épisode 6, c'est Tiob, j'espère que vous allez bien. Alors, on reprend la partie où on en était. Ah oui, on venait d'annexer la Bactrie. Et est-ce que on n'avait plus d'ennemis, hein? C'est parfait. Donc on avait réussi à vraiment, on avait fait la conquête de l'Est. Hein. Je ne vais pas faire de jeu de mots, mais c'est à peu près ça. On va voir si on peut faire un peu mieux. Non. Non. Rome, on s'en fiche. On a que des alliés ensuite militaires. Donc là, on est bien au niveau Est. On est juste parfait. Quoi. Voilà. Et maintenant, je pense qu'on peut aller embêter un peu la Palmyre. Hein. Ça. Ouais, on voit les guerres contre qui. Enfin, on voit qui amène la guerre, c'est plutôt pas mal. Bosphore. Est-ce que les Bosphores, ils sont en guerre contre les Vandales? Je sais pas où est-ce qu'ils sont ceux-là. Ils sont pas ok. Bah, écoute. Je t'aurais bien joué, mais je sais pas qui c'est. voilà, je vais pas être méchant. Ici, on s'entend pas bien, et les Goths, on s'entend pas bien. Ils sont en guerre contre les Colchides. Les Ardents. Ah bah, je vais envoyer d'armée, écoute, pour embêter un peu les Goths. Je voulais juste vérifier. Ouais, les Goths, ils sont là. Voilà, donc ce qu'on va faire... Ouais, c'est du lancier, c'est dégueulasse. Non, on va commencer par rapatrier, voilà. La majorité de nos forces. Gardien de la paix, c'est très très bien. Voilà, on est bien au niveau moral, bonheur et tout bazar. Donc on va diviser un peu nos armées de ci, de là, histoire de... Ah oui, il y avait le vétéran là. Voilà, lui, on va le faire à la Diospolis. On prend toutes nos armées. Non, celle-là, on va pas. Elle, alors, quand je vois les unités, on va dessoudre. On va l'amener en recrutement à Tigrano Certa. Ah, je crois que je vais amener la majeure. Je crois que je vais faire le plein d'unités. Cela, ça pue. Allez. Allez, les armées, c'est pas ça. Hein. C'est un peu. Bon, celle-là, elle est bien. Mais c'est tout. C'est vraiment tout ce qui me reste. Hein. Alors. Voilà. Donc, mon général, celui-là, on va l'emmener aux frontières, sûrement. À Hatra. Lui. Lui, on va faire pareil, hein, on le met en marche forcée. Et il va aller, alors lui, pas à Hatra, mais... On va l'emmener à... À Rimar. Ouais, non, mieux vaut une petite armée. Hein. Ok, on va l'envoyer à... Dans ce cas, on va l'envoyer à Pessinus. Voilà. Voilà, ça devrait le faire. Et ensuite, là, on va avoir pas mal de tours de recrutement, de développement, de tout ce qu'on veut qui finisse en an. Donc, je vais peut-être vous passer ça, sauf s'il y a quelque chose d'intéressant. Voilà, je vous retrouve dans quelques tours. Voilà, on me demande de les aider contre les Goths. Je vais accepter. Là au pire je suis bien protégé en Bithynie, c'est pas très très grave s'ils viennent attaquer. Nous vous en supplions. Montrez votre force. Alors rejoindre la guerre contre les Vandales, c'est pareil, ça doit être un peuple par là. On va mettre oui, toujours, hein, toujours bien s'entendre avec les voisins, d'autant plus qu'on est orientaux. Alors, une proposition d'alliance défensive. Bon, je paye un peu, mais là, je suis blindé de thunes. Donc, on va accepter. Deuxième demande d'alliance défensive, donc avec les mineurs. On va accepter, ça coûte pas grand-chose. Vos produits de qualité seraient les bienvenus à Rome. Le commerce nous ferait prospérer, ne pensez-vous pas? Alors, je viens de voir, mais regardez la Bretagne. Regardez la Bretagne sur la map. Il n'y a personne. Il y a Elbana là-bas, je crois. La Bretagne, c'est...
passer dire Grèce actuelle, Macédoine, plus Illyricum et une partie de la Dacie à la Pannonia. C'est très original. On va faire du. Alors, état client de. Ah bah non. État client de la Gaule romaine. J'aurais dit on faisait du commerce, mais non, état client de la Gaule romaine, j'aime pas. Ah, on va reprendre ici. Donc j'ai dû passer bien une vingtaine de tours, je pense. Alors, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas chômé. J'ai consolidé. Hop, on va pouvoir voir ça sur la carte. La petite carte en bas à droite. Donc j'ai consolidé les frontières, c'est-à-dire, hop, j'ai une unité ici. Bon, ici, j'en ai pas mis. J'en ai une qui va arriver ici. À Hatra. J'en ai une qui est en train de se faire à Tigranocerta. J'en ai une à Samosate, j'en ai une à Amasia, j'en ai une qui arrive tour prochain à Sinope, j'en ai une à Nicomédia, une à Pessinus. Vous avez vu aussi, j'ai développé les villes à fond hein, de ce que je peux actuellement, et au niveau des technologies, j'ai développé un peu tout ce qui est campagne rang 2, donc moins de usure subie pendant les sièges, etc. J'ai également recruté pas mal d'agents pour donner de la vision. Hein, on voit même très bien dans le camp ennemi. Et ben on va pas tarder à ouvrir les hostilités parce que là on s'aime plus beaucoup du coup. On peut voir ça. Moins 187. Ouais. Autant dire qu'ils avaient déjà une armée un peu plus puissante que la mienne, ils m'auraient attaqué. Hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Bon, ça s'est pris, perdu. On peut voir la Confédération germanique a pris Arménard. Et ce que je vais faire, moi, tout simplement, voilà, Cartli a commencé. Je vais aller sur Apolline Dupont, en fait. Et ça m'offrir une. Ça m'offrir bah, une ville en. Comment ça s'appelle? En Thracia. Et ça défendra très bien. En plus, Nicomédie, ouais, pas spécialement besoin d'avoir une armée ici. Je défendrai avec Picinus. Ou au pire, je lèverai un camp de mercenaires. Un camp, une armée de mercenaires. Hop, ils veulent la paix, je refuse catégoriquement. Ah, ils ont perdu la ville là-bas. Les Cartli. Pacte de non-agression. Je m'étonne que c'est un accord commercial. Voilà, et on va même faire un Léon, on va essayer. Hein. Voilà, on ne demande pas d'argent, on veut juste se faire bien voir. Même si ça ne compte pas, il me semble. Hop, campagne 2, c'est bon. On va attaquer Apolline Dupont. Résolution auto. Hein. On a pas besoin de garder l'armée, forcément. En bon état. C'est une petite armée pas très très bien en plus, pas très très bien faite. Allez, on va en faire une colonie. Colonie garnison, on sait jamais. Hein. Hop, et on va y développer ici. Embarcadère militaire. Qu'est-ce qui se passe ici? Les Colchis, eux, ils sont perdus comme il n'y a pas. Et là, on va partir sur. Noblesse Sarah, noblesse arménienne et machine de guerre. Voilà, là, notre armée qui est arrivée là. Donc là, on défendra. Là, ce sera un gros point de défense. Et là. Ce sera pour envahir. Donc on a encore 2 tours à attendre avant de pouvoir envahir tout ça. On aura plutôt 3. Pareil, j'ai pas chômé, j'ai marié des généraux. J'ai bien fait des renforcements de promotion. D'ailleurs, je vais continuer. Voilà, 1, 2, 3, 4, un petit dernier pour la forme. Voilà. Lui, il est. Au maximum, donc pas mal de taux d'imposition, d'ordre public, de la gravitas, de la loyauté, ouais, tout le bazar quoi. Autant dire qu'on est bien influent. Hein. On va pouvoir passer le tour. Hop, ici il faudra que je retire de déplacement rapide là, l'armée à Sinopée. Accords commerciaux de Bretagne, non, toujours pas, hélas, j'aimerais bien, mais ils sont allés avec la Gaule romaine. Alliance défensive, avec plaisir, on regarde pas la dépense, RTP, non merci. Astronomie, pourquoi pas, ça fera toujours
Bah ça fera un général de plus, hein, un homme de plus, un général de plus, vu que on peut hélas pas recruter les femmes avec Angers en tant que général avec cette faction, avec cette culture. Voilà, donc on la marie, je veux dire. Bien sûr, hein, et toujours les premiers rangs de promotion, faut pas déconner. C'en est d'où? Là, encore un tour. Très bien. Je vais encore recruter un autre général pendant que j'y suis. Hein. Voilà. On lève une armée. Voilà, et ce sera le prochain à être recruté. Alors, l'armée classique, ça fait le café. Voilà. Ah, j'ai un diplomate ici. Je sais pas si vous l'avez vu. J'ai un petit diplomate qui ne fait rien. On va lui donner. On va lui donner une mission quand même. Le pauvre, il doit s'ennuyer. Hein. Ce sont des rebelles. Je vais y perdre un général si je la joue pas manuellement. Même si je la joue manuellement, je suis pas sûr de. Ouais. Bon bah, je vais m'emmener la bataille sur le champ on se retrouve après. Donc on a gagné cette bataille plutôt. Ça peut aller. Alors il y avait quelques unités lourdes, donc c'était gênant, mais bon, vu que j'avais pas mal de cavalerie et de tirailleurs. On a fait énormément de dégâts. Là, on peut voir au niveau des récaps de mort, c'est vraiment les unités à distance qui ont réussi à jouer. Un peu mon général, mais principalement les unités à distance. Voilà, donc on relâche. Ouais, j'aurais pu. Ouais, ce sont dans tous les cas. Hein. Écoutez, je suis au niveau argent, on n'est pas trop mal. Hein. Hop, autoriser le commerce. On va en venir à bout là de cette unité. Des rebelles, voilà. Voilà. Il n'y a plus. Gardien de la loi. On va faire loyer défenseur et. Et c'est quoi? On va partir encore sur voilà la cavalerie, lance projectile. Hop, puis on va le faire aller là. Et le tour prochain. Et le tour prochain, ça va barder. Alors, je vais voir si là j'ai moyen de faire des traités un peu avancés avec eux, axes militaires. Ouais. C'est rapide, non? Alliance défensive. Allez, ça passe. Militaire, purée. Hop, petite alliance militaire. Ouais, c'est surtout au niveau des paiements. Ah, il refuse hein, quand même. Pas de non-agression. Axe militaire. Ouais. Oh. Ça passe. Hop, on propose toujours un petit paiement. Il refuse, c'est pas grave. Petit à petit, ça va le faire. Petit à petit, ça va le faire. Hop, comment. Oula! Oula, on va sécuriser la loyauté là, vite fait, hein, les deux côtés. Hein. Risque de sécession élevé, très élevé. Ça, c'est pas bon. On va partir sur du classique. Voilà. Ok, tour prochain, ça va barder. Ah zut, j'ai oublié de. Ça arrive. Hop, ici ça grandit, c'est bien. On fera un petit pôle culturel, je pense, c'est pas trop mal. Ici, qu'est-ce que ça dit là-bas là? Ça se fait pousser, hein. Ça se fait beaucoup pousser. Si j'ai envoyé une petite armée, allez, peut-être.
Voilà, je vais la faire développer celle-là et on va envoyer une petite armée. Prenez là-bas, ma dernière armée d'ailleurs. Hop. L'Imperium ne me permet plus de lever notre armée. Hop, alors. 6. Non. Ouais, toujours pareil. Hein. Oui, ça c'est efficace, mais à 100%. Alors. On déclare la guerre, voilà, cette avenue. Alors, elle est prétendant romain. Il n'y a aucun souci. Mon ami. Mon ennemi. Dora Europos est tombé. Ça en démolit. Pourquoi? Bon, on va faire tout le monde chrétien. On va pas se faire chier. Au moins. On occupe. C'est parfait en plus. Ils font partie de ma culture. On démolit. Lui. Donc là on est à la troisième ville. Village. Samosata. On fait tomber. Ah oh, lui il est même up le général, c'est magnifique. Il est pas up. Si il avait up, parfait. Hop. Lui, il a up aussi, hein. Hop, troisième ville, troisième général. Magnifique. À prendre de Césarée. Résolution auto. On occupe. Voilà, c'est une armée qui a déjà fait ses preuves, donc forcément, on va pas avoir de up. Enfin, ça aurait pu, mais bon. Un petit coup de chance. Ici, non, on va faire un siège. Hein, ça, ils vont sortir. On va pas se faire trop de pertes. Ça sert à pas grand chose. On est bien là, on est bien. Hop, le tour prochain, on pourra faire ça. Ici, on reste en défense, hein, comme on avait prévu. Et... ah, il y a des rebelles ici. On va aller enquiquiner les rebelles. Je sais pas si on a la capacité, mais on va essayer. Apparemment, niveau capacité, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf du tout. Cavalerie légère, ouais. On a... guerrier mercenaire trace, on va voir ce que ça donne. Ah, y a pas un... pas un endroit où ça passe, ça. C'est pas grave. On va le développer, déjà. Et on va recruter à la place du léger. Hein. On va recruter Curry. Voilà, ça fera toujours l'affaire. Voilà. Là on est bien, pas de risque de sécession. Eux en plus on va s'entendre bien. Liguiche. Liguiche. Ah oui du coup alors, alors on va les emmener un peu plus loin. On est beaucoup plus loin. Parce que forcément bah on a réussi à avoir leur territoire quoi. Voilà, on va les emmener très loin. On termine le tour. Donc c'est un bon tour, on a pris je crois 3 et possiblement on va prendre les 4 villes, villages, cités, voilà. Et résolution auto, donc là on perd un peu moins d'hommes j'espère au moins. Je sais pas, c'est même pas sûr. Nous on fait tomber Ankria, Ankira, Ankira, Antira, Ankria, Ankira. C'est parfait. Ok. Alors, si je me trompe pas ici, il n'y avait pas une histoire de... ouais, voilà. On va faire un hôtel. Ici. Ça recrute. Très très bien. Faire un rassemblement chrétien ici. Voilà, parce qu'il faut... rassemblement religieux. On va faire tomber Palmyre. Toujours le même principe. Hein, on fait le siège. Ici, ça a l'air d'être bon niveau portée. Parfait. On va faire le siège partout. Vous savez quoi? On va pas s'embêter. Antioche. Deux tours.
C'est gratuit, hein, c'est totalement gratuit en fait. Tarsus. Pareil, c'est gratuit. Ici. Iconium. C'est encore gratuit. Bah alors les gars, au bout d'un moment quand même, enfin. Hop, on va sur Pergamum. On continue le siège. Là je voulais juste voir est-ce qu'on prend. Ouais ils sont 20, ça va pas passer par contre. On va défendre Pessinus, on ne sait jamais. Petite attaque, et une petite attaque je veux dire est vite arrivée. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, ça va aller vite, ça va tomber hein. Hop, alors ici on va bien évidemment voilà réparer la ville, enfin la faire un peu à notre manière, notre sauce si on veut dire. Ouais, on va faire ça, des champs, on est bien. Hop, un camp de lutte. On va à des bibliothèques, on aime le savoir. Kerta Royale. Parce qu'on peut se le permettre. Ça, ouais, il serait temps de le. Hop, persiste, hop. Attendre de le démolir au bout d'un moment, ça fait longtemps. Et on peut terminer ce tour tranquillement. Bon, on sort de placement, les agents. Et là, par contre, là, on va avoir de la réponse de Palmyre. Oh là là. Et de une. Et de deux. Et de 3. Et de 4. On apprend à compter, apprenez à compter avec Tiob. C'est très facile. Et de 5. Et normalement on s'arrête là vu que l'autre c'est 2 tours, un truc comme ça, je sais plus. Ça. Ah, il est en train d'utiliser un agent contre moi, c'est pas cool ça. Alors, à moins que le jeu soit bugué. Oh, ça ferait longtemps. Non, c'est bon. Ça me rassure. Voilà, donc on a déjà pris quand même 5 villes, villages, cité-village du coup. C'est normal ça. Hop, Palmyre est tombé. On fait ça. On aime bien la culture. On aime bien la culture encore plus. Ça, maison chrétienne. Hop. C'est parfait. Pour eux, on va aller à Diospolis. Lui, voilà, on est à Rhodes. C'est. Je sais pas trop où l'emmener d'autres en fait. Hop, on l'emmène ici, on fait une résolution auto, parce que 2 tours pour ça, c'est cher payé en vrai. Oh, on peut faire tout plein d'infrastructures, c'est parti. Ça c'est bien. Ça on s'en fiche. Ça, non, on s'en fiche, et là on va faire un puits. Voilà. Piscinus c'est bon, ici. Ouais, il y a du tour à passer là. C'est rassemblement chrétien, ok, ça passe. Puis, hop, Tarsus. Ouais, allez, non, on va faire du blé. Hein. C'est toujours une valeur sûre d'avoir de la nourriture. Oh, et tout ça en rime. Là ça va tomber, ici, hop, cidé, on va s'y développer. Voilà. Ok,
Ok. Eh. Ok. Ah! Oh, ils ont la peste. Oh. Dommage. Je voulais les emmener à Salamis. On attendra un peu. C'est là, ça risque d'être compliqué. Hop, Tyros. Alors là, je vois qu'on peut juste lui donner quelques attaques. Ah, oh, c'est chiant quand ça fait ça. Voilà. Putain, c'est pareil. Quelques attributs. Un peu moins de pertes. Toujours ça de prix, hein. Non, tu vois, ça va tomber tout seul, hein. Ça se démolit tranquillement, comme on dit. Enfin, lui, je voulais emmener à Rhodes. Enfin, cet espion-là, je voulais l'emmener à Rhodes. Mais au final, Rhodes, il va tomber vite, hein. Donc pourquoi pas l'envoyer en Sicile. Il y a du chemin. Il y a du chemin, c'est pas à côté. Hein. Lui, je l'avais oublié encore. Purée, c'est pas vrai, ça fait je sais pas combien de temps. On va l'emmener au niveau de Carthago. Voilà. Et on passe. Ah, on peut faire un édit. Très très bien. Oh, j'ai aucune idée d'où, mais on fera un édit. Hop, ici, on va dire. Un peu d'ordre public, quand même. On va dire que là, il y a eu quelques conquêtes. Voilà. Ça essaie de se défendre, mais. Bah, non. Antioche est à moi. Oh, tu les captifs, hein? On va traiter de paix, tu m'étonnes, on a vu la différence de. On a vu la différence d'armée. Ils sont pas sereins. D'ailleurs, j'en ai une qui va devoir bientôt aller arriver. Enfin, j'en ai une à envoyer sur leur tronche. Autorise le commerce ici, pas de soucis. Oui. Les objectifs, c'est fait. Toi, je vais t'emmener à Petra. Voilà, tu vas aller tout doucement attaquer Petra. Ok, je vais vérifier juste. Ok, là on est bien, toujours pareil, hein. Lui, tour prochain, même punition, j'ai envie de dire. J'aurais pas semblé chrétien, parfait ça. Voilà, donc on développe les villes à fond. La forme. Voilà. Eux, on les envoie là. On va les envoyer attaquer par la terre, parce qu'il faut pas décoller non plus. Ici, pareil. Mais on peut le renvoyer à Pauline Dupont. Hein. Pas de soucis, pas de problème pour faire ça. Là, on va tenir les frontières, ça va être le plus important. Hop. Alors là, on a quand même bien conquis, donc on va faire un tour de tout ce qu'on a. La Judée. Très bien, bon comme d'hab. Voilà. On développe. Ici, on a quoi? Ici, on a comme d'hab, rassemblement chrétien. Là, voilà, et encore la même chose ici. Un puits, ça coûte rien. Là, rassemblement pareil. Ici, bah, de la bouffe, au plus qu'on peut. Hein. Ouais, et ouais. Là, de la nourriture, toujours pareil, toujours pareil. Ah bah la bouffe. Voilà. Parfait. Et là on est bien. Ah bah non, on n'est pas encore bien. Oh, c'est un bon assassin, ça. C'est un très très bon assassin. Ça fait plaisir. L'autre il est toujours la peste hein, par contre. Hein. C'est fou.
l'avais totalement oublié. Mais c'est pas très grave. Donc Palmyre, là, on est en train de... On est en train de les souiller, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ok, il me propose de rejoindre la guerre contre les Vandales, contre la thune. 4000, c'est pas grand chose. C'est clairement pas grand chose. Il peut me demander 5000, j'aurais peut-être dit oui encore. Voilà, des naissances. Alors, qu'est-ce que ça donne? On prend Salamis, là, et on prend Rod. On dira qu'on sera bon, hein. Ah, donc Salamis, le tour prochain. Ici, je laisse, hein, je consolide, parce que... Pff, à moins que là, il n'y a personne. Vous savez quoi, il n'y a personne. Je vais juste prendre vite fait, là, comme ça, ni vu ni connu. Hein. On va faire le siège. On va quand même faire le siège. C'est... Sinon ça a de la perte pour pas grand chose. Alors on refait le tour des villes. Ville, cité, bon, vous avez l'habitude maintenant. Hop, agriculture, savoir, culture, agriculture, puis, très important, pourquoi pas un petit poste de messager ici. Hop, ça va. Ah oui, j'ai pris Rod, donc on en fait une ville commerciale avec de la bouffe. De la bouffe et bon, pas de la bouffe non plus, hein. Ce sera un peu de bonheur, de quelque chose comme ça, du moral, ou... de l'ordre public surtout. Voilà, donc ça se déplace bien au niveau des agents, tranquillement mais sûrement. Petite défense de Palmyre, hein, mais bon bah en vain, hein, désolé. Hein. Et ouais. Et pourtant j'ai pas des unités très très développées. Hein. Je crois que c'est ça le pire. Bon, j'ai quand même rencontré aucune armée, hein. Je sais pas ce qu'il fout. C'est quand même étonnant. Voilà, c'est étonnant. Aussi, on va faire hop, on va faire ça. Il n'y a pas une petite armée là qui se balade. Ah, ça y est, enfin une. Qui commence à pousser mais très rapidement. Hein, assassiné. Parfait. Voilà, faut bien faire monter up mon général. Hein, voilà. Le mec qui sert à quelque chose. Lui, on le rapproche tranquillement. Voilà, lui fait sa route aussi. Toute la sainte journée, comme on dit. Il n'a pas vu le doute en lui s'immiscer. Hop. On développe, comme d'habitude. Ça, on s'en fiche. Là, on est en développement, pareil. Toujours pareil. Faut toujours... Par contre, il faut faire gaffe à la bouffe, hein, parce que là, ça en utilise beaucoup. Ça en utilise vraiment un paquet. Bon, après on fait quand même pousser pas mal de champs. Oups là, en Asia. Le classico qui marche très très bien. Tac tac tac, ça. Surtout avec les ports là que j'ai, c'est juste parfait. Alors, on fait tomber Salamis. Et on a pris la dernière région de Judée. C'est juste parfait. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ouais, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a conquis? On a conquis beaucoup de choses. Hein. La Judée, Palmyre, Syria. On a fermé la. On a conquis le dernier là ici, donc Édesse. Faisait partie de la Mésopotamie, toute la Galatia et Pontus, toute l'Asia. Alors, une province de Thracia, parce qu'il fallait pour la forme. Hein. On est devenu un peu pote avec eux, et eux, je sais pas, les Bactries, ils font leur vie, c'est fou. Voilà. On fait toujours attention, voilà, risque de sécession, on sécurise le royaume, la loyauté, voilà. Avant de partir, sinon on oubliera.
Prochaine partie, qu'est-ce qu'on ferait? Bah, on prend Nabatée, hein, faut pas déconner. Sûrement aussi prendre l'Égypte. Peut-être passer par l'Éthiopie. Alors, je sais pas comment ça s'appelle. Éthiopia, ouais, non, je sais pas. Ah, Éthiopia. Éthiopia. Passer par la Libye, et puis on devrait être pas mal. On devrait être pas mal du tout. Donc, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao!